Content de retrouver ton club formateur. Ouais, avec grand plaisir, ça fait énorme plaisir de retrouver tout le monde, que ce soit le président, le coach, le staff, les joueurs, les supporters de Colmar. C'est avec grand plaisir de les avoir retrouvés. Donc, voilà. Est-ce que vous y êtes retourné l'esprit revanchard un petit peu, comme il ne vous avait pas conservé à l'époque? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je suis ici pour, comme dit, rester simple moi-même et jouer au football comme il se doit. Alors on est en période de préparation, y a-t-il une grande différence au niveau de la préparation entre le Racing Club de Strasbourg et Colmar? Une différence, je veux dire, début de saison, dans n'importe quel club, hein, c'est une période assez difficile. Donc du foncier sans ballon, donc une période assez difficile. Et pas très sympa pour les joueurs, mais bon, on sait qu'on doit passer par là. Maintenant, on se prépare justement pour bien commencer le championnat. C'était bizarre pour toi de jouer contre tous tes anciens coéquipiers là, sur une opposition, ça n'a pas dû t'arriver souvent ça, les avoir tous en face. Là, c'est vrai que c'est bizarre de retrouver les autres chambrés un peu sur le terrain. Non, mais voilà, c'était plaisant, que du plaisir. Et tu les trouves comment au niveau de leur préparation, les Colmariens? Non, j'ai trouvé super, ils ont recruté de super bons joueurs. Maintenant, je leur souhaite une super belle saison, qu'ils arrivent à leurs objectifs. Jérémy, mis à part le stade et les infrastructures, qu'est-ce qu'il y a comme différence par rapport à Colmar? Quelles sont les principales? Évidemment, à part le stade et les infrastructures par rapport à Colmar. Ouais, on va dire... Je ne sais pas quoi répondre à tout ça. Enfin, les infrastructures, ça c'est clair. Après, là, tout ce qui est médicaux, des médecins, des kinés, des ostéos, tout ce qu'il faut à disposition. Mais... Les objectifs de la saison sont-ils clairement affichés pour Strasbourg, c'est la montée? Ouais, enfin, la montée, on va pas employer ce mot, mais on va découvrir. On va découvrir les matchs les uns après les autres en faisant le maximum. Et après on verra ce que ça dit. D'abord, on découvrira le championnat tous ensemble. Quoi qu'il arrive, on fera le maximum chaque match. Et après, on verra ce que ça va donner.